Hey, vous trouvez pas que l'Australie c'est un super pays avec sa faune et sa flore variées, ses paysages magnifiques et ses moult monuments? Mais attention, l'Australie c'est pas juste les kangourous et les surfeurs, hein. C'est pas genre tu vas acheter des tucs tranquille dans un carrefour et là entre deux rayons tu vois un putain de kangourou qui fout des bastos à un gosse. C'est pas comme ça. C'est pareil pour les surfeurs, vous croisez pas dans la rue que des grands blonds avec une planche sur le dos. Il y a aussi des petits, des bruns, des blonds, des violets, des jaunes. Oui, des jaunes. Et sur les plages, y a pas que des bombasses en bikini, y a aussi des gros laiderons. Un peu comme ta mère, faut l'avouer. J'ai pas de mère. Mais ta gueule, je te parle pas, toi. What? Mais t'es qui, toi? Bah, en fait, je suis ta conscience, hein, tout simplement. Comment ça, t'es ma conscience? Tu te fous de ma gueule? Bah, honnêtement, j'en avais marre de subir tes choix de merde, en fait, du coup. Mais j'ai préféré m'émanciper de ton corps. Maintenant, je suis là avec toi et avec elle. Ah, ouais, je me disais bien qu'il y avait un truc qui avait changé physiquement, là, il me manquait un truc. Bah, c'est ça, c'est toi, en fait, qui me manquait en moi. Non, mais t'inquiète pas, de toute façon, je vais pas te déranger. Fais comme si j'étais pas là, de toute façon, je me ferais même pas remarquer, tu vois. D'ici quelques secondes, tu m'auras oublié, quoi. Ah, ok. Bon, reprenons sur le sujet. Le saviez-vous, le pénis de Gandalf est aussi long que sa barbe? Le saviez-vous, Sydney n'est pas la capitale de l'Australie et c'est bel et bien Canberra. On a tendance à l'oublier, ça a causé pas mal de morts dans les foyers. Moi j'ai tué mes deux sœurs. J'ai tué mes deux sœurs pour leur prouver que c'était moi qui avais raison. Mais moi je pensais que c'était Sydney, donc j'avais tort. C'est pas long. Et comme tous les pays, l'Australie a ses propres spécialités culinaires comme le barramundi. Barramundi veut dire poisson d'eau douce de grande taille. Vous l'aurez donc deviné, c'est un plat constitué à base de poisson. Dans ce poisson, vous pouvez mettre des sauces telles que sauce mexicaine, sauce thaïlandaise, sauce samouraï, sauce sablée, sauce... Mec, mais on s'en fout totalement de ce que tu dis en fait. Je crois me rappeler que t'avais dit que t'allais fermer ta gueule. Non mais après moi je prends la parole, c'est parce que c'est pour les abonnés, tu commences à les faire chier, tout ça, moi c'est pour eux. Après moi si tu veux je me tais, je retourne. Ouais, ouais, pas de soucis. Ouais, fais pas le malin. Ça m'a donné faim de parler de bouffe quand même. Tu restes là, tu bouges pas, j'en ai pour 2 minutes, je vais chercher des brouilles. Pendant ce temps, en Russie. Ah, j'ai bien mangé moi. Tu veux du pain? Manger des brownies, ça m'a vachement inspiré pour une autre petite anecdote que je pourrais vous raconter. Ça parle de caca, c'est super drôle. En Australie vit un petit animal appelé le Woomba. C'est un mix bizarre entre un ours, un rat et un koala. Jugez par vous-même. Cet animal a une particularité assez étrange. À ce stade-là, je parlerais même de pouvoir magique. Il peut chier des excréments carrés. Moi, personnellement, quand je pense à ça, je vois tout de suite un brownie. Et franchement, ça serait pratique dans la vie de tous les jours, savoir chier des brownies. L'Australie, c'est aussi une équipe de rugby. Des bons moments de partage autour d'un ballon et d'une bonne bière, ça fait jamais de mal. Moi, j'aime beaucoup regarder le rugby à la télé. Ouais. Je trouve que c'est violent par moments, mais bon... BOUM! Voilà ce que mon imagination m'aura fait voir de l'Australie. J'espère que cette vision vous aura plu. Bon, vous n'êtes pas obligé d'avoir la même. Je suis pas Bouddha, Allah, prophète quelconque ou Mario. Je suis pas ces gens-là. Je suis un peu plus normal, moi, quand même. Peut-être pas en fait. Vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant sur la petite poupée juste ici. Vous pouvez liker, partager la vidéo, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Il y aura d'autres vidéos sur des thèmes what the fuck, comme les licornes, le futur, le paradis, l'enfer, tout ça, des trucs de malade. Au revoir.